Parce que je ne suis pas un prédicateur. Kwa sababu mimi si kama ubiri. Moi, je suis le prédicateur d'autrui. Mimi niko mhubiri wa mwenyewe. Je suis le serviteur de William Branham. Mimi ni mtumishi wa William Branham. C'est lui l'unique prédicateur. Yeye tu ndio mhubiri ule. Je dis c'est Branham qui est l'unique prédicateur. Nasema vizuri Branham ndio mhubiri peke yake. Quand je dis que frère Branham dit, ça dit je répète quelqu'un qui a prêché. Wakati nasema kila wakati Branham anasema, ni kusema narudilia mtu alikuwa alishahubiri. Aucun Ephésien 4 prêche. Hakuna Efeso ina anayehubiri. Ili répète William Branham. Anamrudia tu nabii Branham. Est-ce que je dis la vérité? Eti nasema kweli. Nous répétons William Branham. Tunamrudilia katu nabii Branham. C'est pourquoi il nous dit répète ce que disent les bandes. Rudilieni tu ama musemeni kile matempi inasema. C'est pourquoi Élie de Malachi 4. Ndio kwa sababu Élie wa Malachi 4 devait accomplir deux choses. Alipasha kutimiza mambo mawili. Premièrement, il doit nous ramener à la foi de nos pères. Na kwanza turudishe ku imani ya baba zetu. Et quand l'autel sera rétabli. Na wakati mioyo itarudishwa. La deuxième chose, kitu kia pili, c'est la venue de la pierre de fête. Ni ujio wa jiwe la chongo. C'est pourquoi la Bible déclare. Kama la Biblia inatangaza. Le ciel devait retenir Jésus. Kama mbingu kibaki kumchukua Yesu. Jusqu'au rétablissement de toutes choses. Paka vitu vyote vitawekwa wazi. Dès que la terre n'est pas encore rétablie, Jésus ne viendra pas. Wakati wote udongo yarudishwa vizuri, Yesu atarudia. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni kweli hiyo. Il a fallu la venue de cet homme-là. Il est l'homme kabisa uchia ule mtu. Sasa j'avais dit que William Branham. Ndio maana nasema William Branham. Ou Malachi 4. Ama Malachi sura 4. N'est pas William Branham. Haiko William Branham, sikiliza. Mais Jésus, lakini Yesu, dans une autre forme. Muumbo ingine. William Branham. William Branham. N'est pas Malachi 4. Haiko Malachi 4. Parce que Malachi 4 aujourd'hui. Kwa sababu Malachi 4 leo. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bwana Yesu Kristo yeye mwenyewe. Ce n'est pas Branham qui a prêché. Haiko Branham ndiye alihubiri. C'est lui-même qui a prêché. Yeye mwenyewe ndiye alihubiri. Et William Branham dit. Na William Branham anasema. Le premier trône était au ciel. Kama kiti kianzi ya kwanza ilikuwa mbinguni. Le premier trône était au ciel. Kiti ya kwanza yenzi ilikuwa mbinguni. Et le deuxième trône. Na kiti kianzi ya pili. C'était dans le corps Jésus. Ilikuwa mwili Yesu. Mais le troisième trône, c'est dans son épouse. C'est-à-dire quand nous voyons l'épouse, Jésus aussi lui-même c'est une épouse. Yes, Christ, mwenyewe ni bibi harusi. Parce qu'on n'a pas prêché l'arbre époux. Kwa sababu tuwezi kuhubiri muti harusi. L'arbre épouse. Mais ni muti bibi harusi. Pourquoi? Kwa nini? Cet homme-là de Jésus sera transfiguré. Ule mtu wa Yesu atabadilisha sura. Le mot transfiguré ça veut dire changer la figure. Ile musema kubadilika maki anabadilisha sura. C'est pourquoi? Jo sababu. Malachi 4. Malachi 4. Doit nous restaurer. Anapasha kurudisha upya. Doit nous ramener à la foi de nos pères. Kuturudisha ku imani ya baba zetu. Nos pères c'était de Pierre. Baba zetu walikuwa Petro. Et Pierre avait vu la parole faite chair. Na Petro aliona neno lililofala mwili. Et Abraham a vu la parole faite chair. Na Ibrahim aliona neno lililofala mwili. Et quand Elohim est descendu. Na wakati Elohim alishuka. Devant Abraham. Mbele Ibrahim. Abraham aussi avait introduit une requête. Ibrahim alileta naye ombi yake. Pour la délivrance de son frère. Tu ya ukombozi wa ndugu yake. Et cette requête a été exaucée. Na ile ombi ya Ibrahim ilichimiliwa. Lot était à Sodome. Lot était à Sodome. Lot alikuwa Sodoma. Abraham était avec Elohim. Abraham alikuwa na Elohim. Quand Dieu a dit je suis descendu. Wakati sasa mimi nilishuka. Pour détruire la terre. Kusudi niwabomoe dunia. Il a fallu que ce Dieu-là puisse rencontrer un prophète. Iloma kwanza Mungu ule akutanane na nabii. Et le prophète que Dieu l'a rencontré c'est H.A.M. Na ule Mungu alikutana naye ni H.A.M. ule nabii alikutana naye kudunia. Cette fois-ci là. Marahaba pale. Abraham son nom devait être changé. Ibrahim jina lake lipasha kubadilika. Parce que le nom d'Abraham avait 5 lettres. Kwa sababu jina Ibrahim lilikuwa na herufi 5. Mais la dernière fois. Lakini mara ya mwisho. Il rencontre Elohim. Alikutana na Ibrahim Elohim. Le nom d'Abraham doit être changé. Jina ya Ibrahim lilipasha kubadilika. Et Abraham doit
majina ya mataraki musaba. Oh, banani kaleno a set let. Na blana so majina ma erutaruki musaba. C'est le chiffre d'adoration. Ni erufi ya nous adorons à 7. Tunabudu kusaba. Mais nous n'adorons pas le chiffre 7. Lakini atuadu atuabudu etaraki musaba. Adorer à 7. Tunabudu nani ya saba. C'est-à-dire connaître les lieux où Dieu. Ni kusema kujua fasi pale Mungu. A choisi. Alichagua. Là où Dieu habite. Pale Mungu anaketi. Pour la délivrance de l'autre. Ya dunia. Est-ce que je peux attendre un amen? Est-ce que les amis n'ont pas? Dieu Mungu a visité Abraham. Alitembelea Ibrahimu. C'était le temps de la vie. Ilikuwa wakati wa uzima. Avant que Dieu puisse donner tous les secrets. Mbele Mungu apane siri zote. Il devait dire à Abraham. Alipaswa kumwambia Ibrahimu. Premièrement. Kitu ya kwanza. Dieu a mangé. Mina pasha Mungu alikula. Après avoir mangé. Kitu ya Mungu kukula. Dieu était tellement rassasié. Mungu alishiba sana. Et il dit, na pala kasema, cacherai-je? Na pichika nini? Cacherai-je? Na picha nini? À mon serviteur. Kwa mtumishi wangu. Abraham. Ibrahim. Le secret. Ile masiri. Je vais aller détruire. Na ina kubomoa. Si y a 50 personnes. Kama kula baki watu waine. Dieu dit, Mungu anasema, si c'était 50. Kama kula baki waine. Je ne pouvais jamais descendre. Singe shuka ta bangekuwa baine. Même 30. Non. Même si c'était 5. Et Abraham a introduit la requête. Ibrahim a kaingia ombi lake. Il dit là j'ai un frère. Akasema kule niko na ndugu yangu. Qui était devenu rétrograde. Alikurudia nyuma alipomkiwa muimani. Mais je vous en supplie. Lakini nakulomba. Qu'il ne soit pas tué. Asiuawe. Qu'il soit sorti de Sodome. Atoke Sodoma. Abraham. Ibrahim. Ce que tu as fait de moi. Ila nilifanyizia mie. Lot va sortir. Lot atatoka Sodome. Mais il y aura une pluie de feu. Lakini kutakuwa mvua ya moto. Pendant que Dieu parlait à Abraham, Dieu n'était pas à Sodome. Sodome. Il était chez Abraham. Na Ibrahim Elohim n'a jamais arrivé à Sodome. Na Elohim, Sodome. Elohim était resté avec Elohim Abraham. Na Ibrahim. Une église Eli. Kanisa teule. Et dans cette église-là, tous les secrets de Dieu siri zote za Mungu sera divulgué à l'église Eli. Itaoneshwa kwa kanisa teule. Elohim voyait les gens aller à l'église. Elohim aliwa kiona watu wanaenda kanisani. Il n'a jamais dit de ne pas aller. Hakuambia watu msiende tena kanisani. Il laissait continuer. Aliwaacha waende kanisani tu. Mais il était avec Abraham. Lakini alibakia na Ibrahimu. Pendant que les gens allaient à l'église, wakati watu kwenda kanisani, l'adoration n'était plus au ciel. Maabudu l'adoration était sur la terre. Il est quoi que dunia? Oh, Japo. Abraham, il était devant le Créateur. Ibrahim alikuwa mmoja udongo. L'adoration dans la maison d'Abraham. Maabudu ya nyumba Ibrahim. Pendant que les autres regardent au ciel. Wakati wengine wako angalia kule juu. Nous comprenons aujourd'hui. Tunaelewa leo. La terre c'est une personne. Udongo ni mtu. La terre c'est une personne. Udongo ni mutu. Et quand nous voyons la venue de ce grand homme de Dieu, William Branham, l'injonction du temps. Il est ma pananjia ya wakati. Je parle de la loi de la liberté. Nasema juu ya sheria ya William Branham est venu pour une mission. Branham alikuja juu ya fukuzio. Et Dieu lui avait dit. Na Mungu alimwambia. D'amener les gens à le croire. Awapeleke watu wamwamini. De ne pas amener les gens à croire Jésus. Apana kuambata watu wamwamini. De ne pas amener les gens à croire Dieu le Père. Mais amène les gens à te croire. Quand on parle de Jésus, nous serions confondus. C'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, il n'y a qu'une église élue. Une église qui a la délivrance totale. C'est pourquoi je vous avais dit, nous sommes sans péché. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Nous sommes sans péché. Pourquoi? Celui qui a falsifié le péché est venu. Parce que Dieu n'est plus au ciel. Dieu est sur la terre. Oh, la terre, c'est un homme. Si vous allez au ciel, vous trouverez que des fumées. Personne n'est au ciel. Vous ne trouverez même pas
les anges. Parce que tous les anges étaient descendus. Je veux entendre quelqu'un dire amen. Tous les anges étaient descendus. C'est pourquoi le 28 février, le ciel était resté silencieux. Personne ne bougeait. Il y a eu un silence environ une demi-heure. Les anges dansaient. Mais celui qui était assis sur le trône, quand il commence à avancer, on dit à Jean, regardez le lion de la tribu de Juda. Mais Jean regarde, il voit l'agneau comme immolé. Il voit l'agneau comme immolé. Et quand il descend, c'est un agneau à sanglater. Alléluia. Je vais attendre quelqu'un dire amen. Un agneau comme immolé. Il était immolé avant la fondation du monde. L'Esprit du Seigneur. Roho ya Bwana. Ainsi moi. Iko juu yangu. L'Éternel. Wa milele. Ma ouin. Alnipaka. Est-ce que vous êtes ouin? Et tu me pakaliwa na wewe. Si vous êtes ouin ce matin, je sais que tu auras la délivrance. L'Esprit du Seigneur. Roho ya Bwana. Le Seigneur. Ainsi moi. Iko juu yangu. Le Seigneur est ma ouin. Na Bwana amenipaka. Il ma ouin pourquoi? Pour apporter la bonne. Les malheureux seront dans la joie. Les malheureux seront dans la joie. Les pauvres seront bénis. Les malades seront guéris. Si le même Dieu qui était devant William Branham, je crois que ce matin il est ici. Même ton problème ne retournera pas. Tu auras la solution. Dieu répond. Quand il te voit ici, il est content. Ta présence, le ciel est dans la joie. Il faut dire que ma présence fait Dieu la joie. Sans toi, Dieu ne sera pas heureux. Comme tu es là, Dieu est heureux à te voir ce matin. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire alléluia. Ce matin, le Dieu de William Branham, il n'est pas mort. Nous croyons à la preuve de sa résurrection. Jésus-Christ est ici. Je sais que ton âme sera restaurée. Ta famille sera restaurée. Ton commerce sera restauré. Tout ce que tu as perdu, le Dieu de la restauration est là. Toutes les portes fermées. Dieu fera quelque chose ce matin. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? J'étais errant. Mais maintenant, je suis retrouvé. Parce que j'ai contemplé l'ami du calvaire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de voir le corps littéral de Jésus. Branham dit, si le voit, je le vois venir dans ce corps-là, on va le lapider. Parce que je ne le crois pas ça. Mais aujourd'hui, Lakinileo, il sera qu'énoncé. Atakuwa mevalishwa. Moi, je crois à la liberté. Mimi naamini kabisa kwa kwa huru. Est-ce que tu crois que ce matin tu seras libre? Est-ce que réellement tu crois que tu seras libre? Lisons un peu cette écriture. Tu sommes kwanza yandiko. Pour commencer en voyageant un peu. Via kwanza kusafiri pole pole. Et Frère Branham dit, la manière que nous allons parler des choses, même celui qui est irréligieux doit nous saisir. Ce matin, je suis dans l'église et sa condition. Paragraphe 21. Ce matin, je désire vous parler en parabole de telle façon que même la personne la plus
irreligieuse qui se trouve ici soit capable de comprendre. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Aïe, 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 aïe. Nous venons à l'église pour s'améliorer. Nous venons pour faire de nous-mêmes de meilleurs. Meilleur papa. Baba mwema. Meilleur mama. Mama mwema. Abraham. Il était un bon père. Baba mzuri. Avant de mourir, kufi, il a fait marier son enfant. Aka mwoshe kwa mtoto wake. Isaac peut dire à son père, Isaac kama baba yake, tu es un bon papa. Uko baba mzuri. Un meilleur père. Baba mwema. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aina. Un frère qui a des parents. Ndugu boy kuna bazazi. Il se débrouille comme un étranger. Iko na tajitafutia kama vile a... Vous devez être de meilleurs. Nous venons à l'église pour être meilleurs. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous venons à l'église pour s'améliorer. Nous venons pour faire de nous-mêmes de meilleures personnes. Je veux que tu sois meilleur à tout. Napenda kuwa mtu mwema bora kubyote. Ah, la sœur n'a pas compris. Dada ula kuelewa. Je veux que tu sois meilleur à tout. Nasema hivi, kuwa mtu bora mubyote. Tes enfants soient meilleurs. Watoto wako kuwe bora. Ta famille soit meilleure. Chama yako bora. Tes activités soient meilleures. Biashara bora. Ton adoration soit meilleure. Yako bora. Est-ce qu'il y a un amen? 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 Jésus était le meilleur Dieu. Yesu alikuwa kabisa mwema. Ses enfants aussi seront de meilleurs. Vous avez aussi un meilleur pasteur. Tena muko na mchungaji bora. Est-ce qu'il y a un amen à ça? Est-ce qu'il y a un amen? Vous avez un meilleur pasteur. Muko na mchungaji bora. Si vous le croyez, acclamons. Kama mnaamini pigeni makofi. Acclamons. Est-ce que vous avez un meilleur pasteur? Est-ce que le pasteur est bon? Si c'est la vérité, dites amen. Et aujourd'hui, nous avons aussi un prophète super. Nous aurons aussi des frères. Un message. Des foyers. Des maisons. Tout super. Tout doit être super. Yote napasha kuwa bora kabisa. Si je dis la vérité, kama nasema kweli, il faut dire amen à ça. Ce n'est pas ma parole à moi. Aiko neno yangu hiyo. C'est sa parole à lui. Ni neno yake yeye. Merci pour William Branham. Asante Dieu William Branham. Nous venons à l'église. Tunakuja kanisa. Pour être de meilleurs. Kusudi tukuwa watu bora. Mon frère, il y a certaines choses que vous négligez. Quand Dieu vous donne l'opportunité de faire quelque chose, faites-le. Si vous refusez, Dieu prendra quelqu'un d'autre. Il fera à ta place. La Bible dit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Vous devez racheter le temps. Même pour adorer, il faut racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Ce monde sera détruit. Mais avant la destruction, Frère Branham dit, l'église n'ira pas à la tribulation. La tribulation, c'est pour les églises non élites. Est-ce que c'est la vérité? Malgré la fièvre me tourmente. Atakama homa imenipiga hapa. Vous savez aussi, je ne supporte pas aussi vos froids ici. Je ne supporte pas le froid de Lubumbashi. Si vous me laissez baridi à Lubumbashi. On est habitué avec la chaleur. Et quand je vois les frères avec la chemise, ukona ndugu na cheti, ça m'étonne. Vous avez quel corps? Vos corps sont différents de moi. Lisons un peu ça.
Je crois que nous allons démarrer. Je parle de la loi de la liberté. Dieu ne peut pas libérer Salom. Moïse était un homme qui devait accomplir la parole en son temps. Malgré vous les retardataires, Dieu il est esprit. Et ce qu'il adore doit aussi l'adorer en esprit. Moïse n'était pas esprit, il était un homme. Skiza. Musa kukua roho alikuwa mutu. Jésus qui était ouais. Jésus qui était oué, il n'était pas esprit. Dans la chair humaine, il mutu. Était toujours un homme mutu. Pour la délivrance d'un peuple. Juya ukombazi wa taifa. Il est banam aussi un homme mutu. Pour la délivrance de la ukombazi wa taifa. Et aujourd'hui, Leo. Le Saint-Esprit c'est une personne. Roho Mutakatifu ni mutu. Et le Saint-Esprit c'est le prophète de l'air. Na Roho Mutakatifu ni nabii wa wakati. Je dis, le Saint-Esprit, Rome Takatis, c'est une personne. Ni mutu. Le prophète de l'air, Nabi wa wakati, c'est le Saint-Esprit. Die Rome Takatis. Pourquoi? Kwani ni ba? Parce que nous sommes au troisième dispensation. Tuko wakati wa c'est la dispensation du Saint-Esprit. Ni wakati wa Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit doit avoir toujours un homme. Anaposha kuwa na mutu. Bonhomme n'est pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit devient un homme. Roho Mutakatifu pale anakuwa mutu. Nous venons pour nous améliorer. Tu tukuwa watu bora. Être de meilleurs chrétiens. Tukuwa watu bora. De meilleurs citoyens. Watu wenye inchi wazuri. De meilleurs citoyens. Watu wenye inchi wazuri. De meilleurs mères. Wa mama wazuri. Meilleurs voisins. Wa jirani nous wazuri. Venons parce que Christ nous a dit que tunakuja kwa sababu Kristo alituambia. Si nous venions, kama tukikuja, et nous demandions quoique en son nom, na tukilomba chochote mujina lake, nous sommes deux ou trois, pale kwa tuko wawili ama watatu, il sera avec nous. Il y aura plus ou mieux pour nous aujourd'hui de savoir kujua, nous sommes venus à l'église pour devenir de meilleurs. J'aimerais que les meilleurs soulèvent la main. Dire à ta sœur, ambia dada yako hivi, je suis ici pour être meilleur. Est-ce que vous savez que la parole peut changer? La parole peut changer même ta nature. Ça doit changer. La parole va changer. Que nous soyons des meilleurs. Je lis dans ce message la béatitude d'oublier. La béatitude d'oublier. Jésus aujourd'hui, il est aussi une occasion de chute pour beaucoup de gens. Leo anakuwa jiwe la kwazo kwa watu wengi leo. Ah. Eh. La voix. Sauti. Que Dieu nous aide. Moi tu saide. Fabana me dit dans ce message, paragraphe 47, il dit ceci. Il faut ma commune. Mais au temps du soir, wakati wa jioni, avant que le corps de Sarah et Abraham, belle, le corps de Sarah et Abraham, belle ya mwili wa Sarah na Ibrahim, ne soit changé ibadilishwe pour recevoir le fils promis. Jua kupata kwa mbele ya ule mwana aliye lakwa. Il est venu. Alikuja. Assis avec lui. Akaketi na yeye. Il a parlé aussi avec lui. Il a parlé avec eux. Wakaongea nabo. Accompli un signe devant eux. Nakatimiza alama mbele yabo.
Ça dit Elohim. Kusema Elohim a accompli le signe devant Abraham. Alitimiza alama mbele ya Ibrahim. Quel était ce signe? Ilikuwa alama gani basi? Un homme qui tourne le dos. Mtu anageuza mugongo. Et il commence à discerner les pensées. Na anaanza kufafanua mawazo. Sarah en soi dans les yeux comme ça, Sarah n'avait pas ri. Mukuangalia tu kimwili, Sarah hakucheka. Mais elle avait ri dans son cœur. Lakini Sarah alicheka moyoni mwake. Mais étant Dieu qui discerne même la pensée du cœur. Lakini Mungu anapambanua ta wazo ya moyo. Il a vu l'intention de Sarah. Akaona nia ya Sarah. Il dit Abraham. Akasema Ibrahim. Pourquoi Sarah ta femme? Sasa kwa nini Sarah mke wako? Atele ri. Anacheka. Moi je vous dis. Je reviendrai Darudiaka te visiter kukutembelea au temps de la vie wakati wa uzima la femme mwanamke conçoive pendant 14 jours wanamke 28 jours wanachukua wanachukua kamimba wakati siku 14 elle peut concevoir anaweza kuchukua mimba banamdi mama anasema c'est le jour de la vie ni usiku wa uzima. C'est-à-dire, William Branham, nous savons William Branham, Dieu lui a apporté la vie. Mungu anazi kumpatia uzima. Il lui a donné la vie. Alimpatia uzima. Parce que la clé, kwa sababu funguo, du royaume, ya ufalme, la clé de la mort, c'est entre les mains de Jésus. Sikia. Funguo ya kifo, iko katika mikono ya Yesu. Mais la clé de la vie éternelle, lakini funguo ya uzima wa milele, on n'avait pas donné à Jésus. Hawakuipatia Yesu. Jésus avait déjà fait la remise et reprise. Yesu alikuwa alishapanana makazi. Il a donné alikamata cette clé, ile funguo kuipatia à Pierre. Petro. Il dit à Pierre, mwambia Petro, tout ce que vous allez lier, kiote utafunga, sera lié au ciel. Kitafungwa nacho kumbinguni. Tout ce que vous allez délier, kioto kitafungua, sera délié. Kitafunguliwa kule. Ça dit l'homme a le pouvoir de donner la vie éternelle. Ni kusema hivi, mtu iko na uwezo wa kupana uzima wa milele. Cette question-là n'allait pas demander à Dieu. Na ule mtu angeenda kumuuliza Mungu. Cela avait déjà été résolu. Ile zamani lishatiliwa suluhisho yake. Est-ce que vous êtes Il dit ceci. Anasema hivi. Jésus a dit. Yesu alisema. Nous sommes là. Nous sommes là. Tuko moja. Les signes devant eux. Alama mbele yabo. Jésus. Yesu. Il se réfère. Ana angalilia. Je vais aller trop vite. Naenda mbio kabisa. Je lis ceci dans 46. Nasoma makumi sita na kisita. Prenons 45 vite. Il est déjà venu par la justification. Alisha kuja kupitia kuhesabiwa haki. L'âge délitaire. Kizazi kia luta. Par la sanctification. Kupitia usabiliwa haki. L'âge de Wesley. Kizazi kia Wesley. L'âge de la Pentecôte. Kizazi kia Pentecosta. Il a déjà placé ses dons à l'église. Alisha kupatia mazawadi kwa kanisa. Maintenant. Sasa. Il nous apparaît anatuonekania dans la chair comme Jésus l'avait annoncé. Mwili kama vile Yesu alisemaka mbele. Maintenant, sasa hapa, il nous apparaît anatuonekania. C'est déjà écrit là-bas, non? Imetumwa huku. C'est écrit. Est-ce que je mens? On avait lu le vendredi, nous sommes égaux avec Jésus. Siku ya tano kusema tuko sawa na Yesu. C'est ce qui donne le diable la colère. Na ndio napataka shetani bisirani. Ce que Jésus avait accompli. Kila Adam ako Yesu akutimizaka. Tu peux aussi accomplir. Wewe utakitimiza. Sauf la mort na kwa. Kutosha tu kifo kumsalaba. Mais tout. Lakini yote. Tu peux accomplir. Unapasha kutimiza. Sauf. Kutosha tu. La mort na kwa. Kifo kumsalaba. Guérir les malades. Kuponya wagonjwa. Donner la vie. Kupana uzima. Ressusciter les morts. Kufua wafu. Changer la vie des gens. Kubadilisha maisha watu. Tu peux le faire. Unaweza kuifanya. Sauf la mort à la croix. Kutosha tu kifo kumsalaba. Ah. Ce diable est compliqué. Il dit ceci. Anasema hivi. Il nous apparaît dans notre chair. Anatuonekania mwili wetu. Comme Jésus l'avait annoncé. Kama vile Yesu alitangaza. Qui ne soit pas pour vous une occasion de chute. Asikuwe kwenu basi jiwe la kwazo. Jésus refuse d'être une occasion
des chites. Yesu anakata kukua jiwe la kwaso kwako. Mais il a aussi l'occasion de chiter pour beaucoup. Lakini Yesu iko tena pia jiwe la kwaso kwa wengi. Mais toi qui as vu la parole aujourd'hui, kwa sababu neno yasema, toi qui as vu la parole aujourd'hui, tu n'as pas l'occasion de chiter. Hauna hata bahati kabisa kuanguka. Tu as reconnu Dieu dans la chair humaine. Ulimtambua Mungu katika mwili. Il dit ceci. Anasema hivi. Il est juste. Iko kweli. Allez. Kwa sa. J'en sors de cette prison. Yohana toka mwa ile gereza. Sors de cette organisation. Toka mwa ile zaebu. Qui ne croit pas cela. Wale waamini ile. Enlevez les écailles. Tosha ile mabitu ya kufunika macho. De tes yeux. Macho yako. Tu es un homme libre. Uko mtu mwenye iko huru. Jean. Yohana. Tu es un homme libre. Uko mtu mwenye huru. Ce n'est pas une vision. Haina ono. C'était la personne physique. Ilikuwa mtu mzima. Les mêmes gens. Ule Yohana moja moja. Qui a vu Jésus. Aliona Yesu. Voici l'agneau de Dieu. Uona mwanakondoo wa Mungu. Qui ôte les péchés du monde. Anaondoa dhambi za dunia. Les mêmes gens. Ule Yohana moja moja. Doit dire aux gens. Akambia atambia watu. Allez les demander. Mwende sema muulize si, tena. Si, si. Kama ni yeye. Ube nous allons attendre quelqu'un d'autre. Ama tumchunge mwingine. Frère Banami dit. Mwana anasema hivi. Dieu dit à Jean. Enlevez les écailles. Mungu anambia Yohana tosha bitu na kufunika macho. Ce n'est pas une autre personne. Haina mtu mwingine. C'est la même personne. Ni mtu moja moja. Que tu avais présenté. La même personne ule mtu moja moja que tu avais présenté. Yule niliwaonesha. Quand moi je parle lentement, toi tu vas m'aider. Parce que comme ça me fait mal, toi tu vas m'aider. Yeah. Est-ce que je peux lire, oui, madame? Et ne sikiliza mimi hapo. Je le répète. Narudilia. Tu es un homme libre. Uko mtu mwenye iko huru. Si tu crois. Kama ukiamini. Il est juste à l'air. Iko kwenye saa. Il est juste à l'air. Iko kabisa kwenye saa. C'est le temps. Ni wakati. Nous devons reconnaître. Tunapaswa kutambua. Les œuvres de Dieu. Matendo ya Mungu. Et la puissance de la résurrection. Na uwezo wa ufufuko. Nous ne voyons pas Jésus physique. Mais nous voyons la preuve même de sa résurrection. Pia de nous. Tunaona hakikisho ya ufufuko wake katikati yetu. Ce n'est pas une troisième personne. Haiko mtu wa tatu. C'est la même personne. Ni mtu moja moja. Dans tout le temps. Wakati wote. Jésus est mort. Yesu alikufa. Il est ressuscité. Akafufuka. Et il est vainqueur. Ni mshindaji. Nous sommes plus que vainqueurs. Na tuko kuwashinda wasikaji. Parce que notre maître. Kwa sababu mwalimu wetu. Il est vainqueur. Yeye ni mshindaji. Frère Branham dit. Branham anasema. Est-ce que je peux répéter William Branham? Nakumrudia William Branham. Frère Branham dit. Tu vois anasema. Toutes choses sont des choses passagères. Mais la vraie chose, c'est la parole de Dieu. Et la parole n'a pas un commencement, ni fait. Parce que le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et aujourd'hui, Jésus a été ouin. Si Jésus était ouin, comment est-ce qu'on pakaliwa? Je sais que ce matin tu seras aussi ouin. Na jua siku ya leo na wewe utapakaliwa. Excusez. Munisame. Toutes les méthodes est bonne. Njia zote ziko nzuri. Simplement nous donner la voix simplement. Dans les glaner dans les champs. Ya kuenda kuvuna katika shamba. Ah. Eh. Il nous apparaît. Anatonekania. Pour accomplir quoi? Jia kutimiza nini? Les promesses de la Bible. Malako ya Biblia. Hey. Lisons un peu la preuve de sa résurrection 36. Tu sommes kwanza hakikisho za ufufuko wake 36. Avant d'aller là-bas, prenez aussi le fondement fondamental pour la foi. Mbele kwenda pale tuchukue kwanza misingi ya kwanza ya imani. Paragraphe 13. Kifungo 13. Frère Banami dit. Tuma maana sema. Si Satan. Kama Shetani. Par sa puissance. Kupitia uwezo wake. Peut faire que les lois agissent dans l'homme.
anazifanya kusudi masheria zitiende ndani ya mtu. Les lois de Satan dans l'homme. Yenye tezi kutoya maneno shetani ndani ya mtu. Les lois de Satan c'est quoi? Ma sheria ya shetani ni nini? C'est des maladies. Ni magonjwa. Jésus est venu. Yesu alikuja consoler les affligés. Kutia moyo wenye. Libérer les captifs. Kuachia watu waliofungwa. Et vous devez avoir une délivrance. Unapaswa kuwa na ukombozi. Un homme est délivré. Mtu aliyekombolewa. C'est un homme qui a la joie. Ni mtu mwenye na furaha. Mais un homme qui n'est pas délivré. Lakini mtu asiyekombolewa. Même au prêche la parole comment? Ah. Sorry. Même au prêche la parole comment? Ata ubiri neno che. Popcorn. Le boss qui est venu à l'église. Le boss qui est venu à l'église. Mutajiri. Boss alikuwa mkanisa. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de dignité. Mukanisa ya Mungu hakuna wale watu wa cheo ya juu. Si vous êtes patron, vous êtes patron là-bas. Kama uko tajiri bwana boss, wewe uko boss kule. Ici nous sommes des frères. Hapa tuko wandugu. Le seul patron c'est Jésus. Boss mmoja hapa Yesu ni Yesu. Celui qui est au-dessus de tout. Yeye ndio ko yule wote. C'est Jésus. Ni Yesu. Si on n'a pas la joie ici. Kama tuna furaha hapa. On aura la joie où? Tutapata furaha wapi jamani? L'église c'est notre bar. Kanisa yetu ndio fasi yetu. Notre bar c'est ici. Bar yetu ni hapa. On peut danser. Pika malinga. Ope sote. Tunaweza kuruka. Ope krie. Tunaweza kulalamika. Nisome alaba. Tuko kubare yetu hapa. Meme si le diable me combat. Hata kama shetani anapigana naye. Le diable bwana ameva ouvrir la voie. Abona shetani ameva sauti. Pour que je puisse dire quelque chose ce matin. Kusudi sipaye kitu moja asubuhi leo. Il y a des choses que je vais déclarer. Tuko pitu nasema hapa. Mais le diable me combat. Lakini shetani anapiganisha. Mais je sais qui sera vaincu. Lakini anatoka. Vous n'êtes pas patron ou patronne ici. Ici c'est la maison de Dieu. Soit pasteur, prédicateur, qui que ce soit. Nous avons la liberté de chanter. On a la liberté de dire amen. On a la liberté de dire alléluia. On a la liberté de dire gloire à Dieu. Parce que Jésus est bon. Jésus est vainqueur. Le vainqueur doit dire amen. Qui prêche là? C'est votre frère sauvé par la grâce. Je peux aller? Alors, Branham dit. Moi, je respecte William Branham. S'il me dit, dites amen, je dirai amen. Akinambia sema amina na sema amina. Vous allez comprendre que quand Branham lui-même prêche, lui-même dit amen. Utaelewa wakati na mimbo iko na hubiri saa moja, nasikia anasema amina. Parce que quand un prédicateur est Dieu de la chair. Wakati mhubiri wako mibari hapa. Branham dit, c'est un ange. Ni malaika. Frère Branham dit, votre pasteur c'est un ange. Mchungaji wenu ni malaika. Quand il se met à la chair, il devient l'ange pour l'église. Anakuwa malaika juu ya kanisa. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Votre pasteur, mchungaji wenu, c'est un ange. Ni malaika. Amen. Et je vous dis, il est aussi un Dieu pour vous. Pia. Iko Mungu kwa ajili yenu. Si tu ne crois pas ça, si tu ne crois pas ça, tu es un historien. Kama uamini ile, wewe ni mwandishi tu. Le Dieu d'Abraham, Abraham te connaît. Mungu wa Ibrahim, Abraham anakujua. Est-ce qu'Abraham te connaît? Abraham anakujua kwanza. Toi tu connais Isaac. Unajua kwa Isaac kwa wewe. Parce que le ciel aujourd'hui, tu mbingu leo. Un donné, parce qu'un pasteur c'est le représentant de Dieu. Kwa sababu mchungaji yeye ni mwakilishi wa Mungu. Quand vous venez à l'église, vous venez écouter un homme prêcher. Unakuja kusikiza mtu anayehubiri. Mais c'est Dieu sous la forme d'un pasteur. Ni Mungu muumba la mchungaji. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions dire? Tuseme nini? Unapenda nini kwa tuseme tena nini? Salam. Bila mtu. Dieu ne prêchera pas. Mungu hata ubiri. Je laisse le micro. Na hata mibati. Mungu ubiri basi hapa. Mungu ubiri. Thank you.
Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Salam, Dieu ne travaillera pas. Et le ciel appartient à un homme. J'irai dans le ciel de Branham. Parce que moi j'aime Branham. Je serai derrière lui. Tout ce qui t'a aimé, tout ce que toi tu as aimé, je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Voilà une portion du ciel. Le ciel est gratuit. L'offre mondiale. Il est offre à Dieu. Si tu veux connaître Dieu, Dieu s'est qu'énoncé. Dieu s'est déguisé en devenant un homme appelé prophète. Est-ce que c'est la vérité? Voir cela. Voir cela, c'est le pardon même de tes péchés. Voir cela, tu es déjà guéri avant même qu'on te prie pour toi. Voir cela, vous avez quitté l'Odyssée. Et pour entrer où? À l'âge de l'épouse. Battez les ailes. Battez les ailes. Comme cet aigle-là. Au milieu des petits poussins. Mais quand elle a entendu la voix de sa mère, il dit non, ce n'est pas question de rester ici. Je ne suis pas habitué ici. Je dois m'en aller. Je dois suivre maman. Partez les ailes. Partez les ailes. Je veux que ma soeur batte les ailes. Frère, batte les ailes. Suivez la maman. Fate mamako. Maman est quelque part. Mama iko fasulani. Suivez la maman. Fate mama. Soyez libre. Uhuru. Soyez libre. Uhuru. C'est la loi de la délivrance. C'est la loi de la liberté. Battez les ailes. Jusque là, il y a ceux-là qui ne veulent pas battre les ailes. Mais je te dis, battez les ailes. Battez les ailes. Un oiseau ne peut pas battre les ailes pendant qu'il est assis. Vous êtes un monstre. Vous serez un monstre. Battez les ailes. L'homme qui a la force de battre les ailes, c'est celui qui a des ailes. Quand il est capable de se lever, quand la sœur battait les ailes. Frère, battait les ailes. Vous n'allez pas s'envoler. Parce que le septième soir nous donne la foi de l'élèvement. Celui qui sera élevé, c'est celui qui est capable. Il est courageux. Il est apte de s'élever à tout moment. Parce que le voyage est prêt. Je suis pèlerin étranger. Quand j'entendais la voix de la mère aigle, je dois quitter ce lieu. Je dois quitter ce lieu. Je dois suivre maman. Et ma maman, Dieu peut aussi être conjugué en féminin. La mère aigle, nous l'avons vu dans les sept chandeliers d'or. Au milieu de ces chandeliers, on avait vu quelqu'un avec deux seins. On l'a appelé El Shaddai. Je veux que ce matin, tu sois nourri par El Shaddai. Je sais que ce matin, El Shaddai te donne la force. Si tu n'as pas la force, recevez la force. El Shaddai te donne la force. Je veux que ceux qui sont sauvés disent amen. Si vous êtes gracié, dites amen. Si tu as reçu la recommandation, dites amen. Mais un homme est bloqué
Johnny le corbeau. Hey, Johnny le corbeau, oulé. Je ne me déplacerai jamais. Quoi qu'on a délié, il dit non. Je suis habitué de cette maladie. Je suis habitué de ce problème. On ne s'habitue pas avec le diable. On ne s'habitue pas avec le diable. Aujourd'hui, on ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec la maladie. On ne négocie pas avec la pauvreté. On ne négocie pas avec le célibat. Les démons de célibat. Les démons de célibat. Nous les chassons. Nous les chassons. Nous boutons ça dehors. Les démons de blocage. Il ne permet pas que les frères soient libres. Nous débloquons cela. Faites comme cela. Débloquez. Au nom de Jésus. Tout soit débloqué. Je me sens religieux. Je me sens religieux. Et c'est comme ça que ton cœur désire. Oh. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Et sa présence résout le problème. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. L'économie. Libérée. Tu la fungua. Dubaï. Libérée. Tu la fungua. Turquie. Libérée. Tu la fungua. Le travail, kazi, libéré. Toi fungua. La promotion, kwe kwa cheo. Toi fungua. La promotion, kwe kwa mbiu. Le salaire, mushara, fungua. La condition de votre vie, yale maisha yako. Toi fungua. La bénédiction, baraka, fungua. La paix, amani, fungua. La joie, furaha. Tout, yote, libéré. Fungua. Si on reconnaît cette loi, ukijua ile masheria ile. Wow. Dio. Il dit, anasema. Est-ce que vous saisissez mes amis? Est-ce que vous allez vizuri? Il dit ceci. Anasema hivi. Combien de dieux marangapi basi devrait-il faire pour ses enfants? Angeweza kufanya juu ya watoto wake eke selwa na sheria zake soit reconnu parmi son peuple vijulikane katikati ya taifa yake. Sadi le loi de Dieu kusema masheria za Mungu doit être reconnu zinapasha kutambulikwa en son peuple ndani ya taifa yake. Tu dois dire naweza kusema je dois reconnaître les lois de Dieu minapasha kutambua sheria za Mungu. Le diable vous envoie la pauvreté. Shetani anatumia umaskini. C'est la loi de Dieu. Ni sheria ya Mungu. Et c'est la loi de Satan. Mais la loi de Dieu vous délivre. La loi de Dieu vous donne la paix. La loi de Dieu vous donne la liberté. On doit voir les saints qui prient en esprit. Qui doit entrer dans des dimensions. Il doit quitter ce monde. Entrer dans le firmament. Vous commencez à parler à Dieu. Bouche à l'oreille. Frère Banam dit, Dieu ne parlera pas à ta place. Mungu atasema fasi yako. J'avais dit aux gens. Niliambia watu. Qui était là le vendredi? Il y a d'autres portes que vous avez fermées. Kuna milango yengine mulifunga nyinyi wenyewe. Vous ne voulez pas ouvrir cette porte-là. Na hamupendi kufungua ile mlango. Est-ce que je peux dire ça? Naisema hiyo. Combien aiment la vérité? Wangapi wanapendaka kweli? Je crois que vous êtes les enfants de Branham. Na waza mko wa mtoto wa Branham. Amen.
Au moins que tu sois un voleur qui a reçu la grâce, que d'être un voleur qui a condamné Jésus à la croix. Mpaka ukwe tu ule mwizi aliyepokea neema kama vile ule mwizi kumusalaba. Qu'est-ce que je veux dire par là? Napenda niseme nini? Moi et toi, mimi na wewe, nous sommes des coupables. Tuko lui il est innocent. Il a reconnu Dieu sans être baptisé. Yeye alitamua ile sorry. Dieu l'a libéré. Mungu alimukomboa. Parce qu'il a reconnu Dieu à la croix à la dernière minute. Kwa sababu alitambua Mungu Musa ya mwisho kumsalaba. Il dit Seigneur, akasema Bwana, le jour où tu reviendras, siku ile utakuja, dans ta gloire, katika utukufu wako, passe aussi à moi. Uniwaze na mimi. Jésus le regarda, il dit, Yesu anamwangalia akasema, maintenant. Sasa hivi. Ta délivrance, ukombozi wako, n'est pas demain. Haina kesho. Même si ça reste deux minutes pour mourir, atakakula baki dakika mbili njoo ukufe. Tu seras à paradis avec moi maintenant. Utakuwa paradiso pamoja na mimi hapa sasa. C'est pourquoi moi je ne rapporte pas la bénédiction demain. Donc wasa mimi sipelekage baraka kesho. Vous savez frère, mwajua ndugu. Nous parlons de John Charit. Tu n'as pas qu'à John Charit. Le Dieu de John Charit. Ou le mot John Charit. Vous savez ce que John Charit avait fait. Et si vous n'avez pas qu'à John Charit, il n'y a qu'à. J'avais dit que la bénédiction est liée sur une condition. Ninisema kama baraka inafatana na. Dieu ne libère pas ça que vous commenciez. Mungu aezi kubariki mbele wewe kuanza. Commencez d'abord à lui reconnaître. Anza kumutambua kwanza. Est-ce que tu peux imaginer un homme qui doit dormir la nuit et il doit dire Dieu m'a montré que je dois donner à ces prédicateurs cette maison. Et il dit à sa femme, la femme aussi était une femme chrétienne. La femme accepte sans doute. Un homme qui avait une bonne maison, il doit se déplacer pour aller dormir dans des conditions ridicules. Simplement, il a obéi à un songe. John Charit. John Charit avait fait ce qui était bon. John Charit avait fait ce qui était bon. Et aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Na leo anakuwa miliona. À quoi te servira la bénédiction de John Charit? Sasa Mungu wa John Charit atakusaidia kubinini kwanza. Si cela ne peut pas venir tangible pour toi aujourd'hui. Kama ile haikufanyikiwe kwako leo. Je fais une parenthèse. Je vais continuer. Na endelea tukufanya hima. Endelea. Un homme est trop petit, Dieu. Je sais que vous êtes un voleur de 10 mètres. Mutu anaweza kumudanganya Mungu na yeye mko wa mwizi. Moi quand vous me voyez. Mimi mnaona hapa. Quand je regarde seulement la personne apparemment comme ça. Wakati naona tu mtu kumacho tu hivi. Je crois pas que ce frère ou cette sœur ne paye pas la dîme. Na leo kama huyu mtu na huyu dada ndugu apaneke cha 10. Ça dit cette porte là est fermée. Nikusema ile mlango ulishaifunga. Dieu ne bénit pas le mauvais cœur. Mungu abarikeke moyo mbaya. Dieu bénit un bon cœur. Mungu anabariki roho nzuri. Donner au pasteur les dons, tout ce n'est pas mauvais. Kupatia mchungaji mazawadi na mengine ni mbaya. La loi de Dieu. Lakini sheria ya Mungu. Pour libérer votre finance. Juu ya kuacha huru biashara yako na mchuruzi wako. Tu es sorti un voleur. Ulisha kuwa mwizi. Tu ne vis pas la parole. Hawishi neno. Frère Banamidi, Ramana Semaibi, n'ayez pas peur, c'est moi, paragraphe 48. Katika makifungo, wabiru siku waga na mini mimi. Il dit que payer la dîme, c'est une bonne chose. Anasema, kulipa chekumi ni kitu kizuri. Et quand tu payes la dîme, kulipa chekumi, tu dois aussi faire quoi? Unapasha kufanya nini? Vivre la parole et tout. Kuishi neno na basi. Là, il y a réduction des amens. Oh, bah.
Alors vous demandez à Dieu des millions. Si tu agis de cette manière, décembre c'est loin. Je crois que la chose a saisi les gens ici. Hein. Même si vous êtes voleur, dites que je serai sauvé. Mais c'est moi-même qui a bloqué ma bénédiction. Je n'ai pas dit que quand tu ne payes pas la dîme, tu ne peux pas aller au ciel. Mais le corps ici va souffrir. Mais ton âme est sauvée. Mais la chair. Pour avoir la voiture. Aller aux États-Unis. Dieu ne peut pas envoyer un voleur aux États-Unis. Vous devez d'abord commencer ici. À vivre la parole ici. Et après, tu iras là-bas. Et tu seras un bon ambassadeur. Commencez d'abord ici. Si je dis la vérité, pourquoi pas dire amen? Si je dis la vérité, pourquoi pas dire amen? Kweli, sunasema amina. Lisons un peu les critiques. Tu sommes un déco à ne fâchez pas contre moi. Vous sinistrez qui? Moi, je vous aime. Vous savez, nous les pasteurs, nous sommes fiers. Quand je vois ma brebis m'apporter la voiture et je circule avec ça, ah, pasteur, comment? Je suis avec la voiture de ma brebis. Ça fait l'honneur. Jésus, yes, ne veut pas marcher à pied aujourd'hui. Haesi kutembea kumigulu leo, bongo. Le voyage de pied, c'était le voyage de la première venue. Où Jésus devait apprêter tout. Il a apprêté le cercueil. Il a apprêté la tombe. Il n'avait pas même une chambre. Il utilisait la chambre de Lazare. Les bonnes choses que Lazare a faites pour Jésus et dans cette famille là, c'est pourquoi Lazare ne pouvait pas résister dans la tombe. Au retour de Jésus, le quatrième jour, il est sikuya ine. Oh, le chiffre 4, c'est la délivrance. Jésus retourne le quatrième jour. Yes, anarudia sikuya ine. Et il sera devant la tombe de Lazare. Aenda mbele kaburi ya Lazaro. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient atterrés. Sikuwa batu walimingo walikuwa pale. Mais pourquoi simplement Lazare? Kwa nini tu Lazaro? Il a écouté la voix. Mungu alisikia sauti. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste. Mungu haiko injuste. Mungu akosake haki, ni Mungu mwenye haki. Vous faites pour Dieu, vous ne perdez rien. Vous qui tout. Amen. C'est pourquoi on aura des frères avec des vestes, mais la poche est trouée. On a un wadada, ma veste qui me fout que toboka. Moi, quand je suis arrivé ici l'année passée, je rentre chez moi. Je dis Seigneur, ces gens ici ont une audace de m'acheter une voiture. Awa, je n'aurai comment. Je regarde même la condition. J'ai mis la foi en action. Je prends l'avion, j'arrive. Rien n'a trouvé. J'ai failli pleurer. Si tu avais exaucé William Branham, dès trois semaines, j'ai reçu la voiture même comme le pasteur ici. Nikapata gari kama vile ya mchungaji. Le Dieu de Branham. Mungu wa Branham. Quand vous le servez dans la sincérité. Ukimtumikia katika unyofu wa moyo. Ne peut pas rester à ta tête. Asibakiana deni yako. Il est un Dieu juste. Ni Mungu mwenye haki.
À Dieu, vous ne perdez rien. Kwa Mungu upoteze kitu. Mais quand tu donnes à maman, papa, lakini ukipatia mama na baba, demain tu seras déçu. Kesho utavunjwa moyo. Je ne dis pas que de ne pas le donner. Sisema usipatie tena. Mais après, lakini kisha, il y aura toujours déception. Utakuwa kabisa na l'homme de la terre, c'est la déception. Kisha yote ni déçu. Mais Dieu ne déçoit pas. Lakini Mungu yeye avunje moyo. Mungu avunje mtu moyo. Soyez juste de ce que vous faites. Kwa tu mwenye haki mtu kufanya. Vous allez voir que tu seras libre. Utaona kama utakuwa huru kabisa. C'est comme si quelqu'un se fâche contre moi. Mais je vous donne un médicament. Lakini wapate ndio dawa. Moi je ne serai pas ici. Sitakuwa ngwa hapa. Je prêche, je pars. Mimi yangu nahubiri mimi naenda. Mais la semence doit rester. Lakini mbegu itabakia. Et ceux qui reçoivent cela. Na wale wanapokea ile. Sera honoré. Wataheshimiliwa. Parce que la parole de Dieu honore. Babu neno ya Mungu inaheshimishaka. Est-ce que vous savez que Dieu vous a promis que tu seras supérieur? Et tu as mis comme moi le coup là que tu as quoi, mutu wa yulu. Vous aurez la supériorité. Ukapua ukabisa mutu wa yulu. Si toutes les nations de la terre. Kwa mataifa ya dunia yote. Même la ville de Lubumbashi. Ata mutu wa Lubumbashi. Doit savoir que Dieu vous a béni. Wanapasa kujua kama Mungu aliwabariki. Et la Bible dit les gens te craindront. Na Biblia nasema watu watakuogopa. Tes paroles n'a pas de la force dans ta famille parce que tu n'as rien. Le Saint-Esprit pauvre, ça n'existe pas aujourd'hui. La pauvreté, c'est au temps de Lazare. Umasikini ni wakati wa Lazare. Appuyez-moi par un amen. Munipatie amina. Si tu marches en pied, ça dit tu veux retourner à la première venue. Kama Mungu atembea na mugulu. Ni kusema napenda kurudia mujio wa kwanza. Parce que la première venue, Jésus était piéton. Kwa sababu mujio wa kwanza Yesu alikuwa mkutembea. Mais sa seconde venue, il a dit à William Branham. Lakini hapa aliambia ndugu Branham, Jésus a eu beaucoup de succès. Yesu alipata kavuma mingi. À mon ministère. Ndani ya huduma yangu. Il a fait combien de tours du monde? Alifanya kutembea dunia mara ngapi? C'était à pied. Ilikuwa kwa miguu. C'était bien. Il va comme Miguel, nous allons tomber à donner à Musulma Marasaba. Le livre de Jacques, chapitre 1er. Yakobo sura ya kwanza. Le livre de Jacques. Kitabu kia Yakobo. Verset 25. Makumi na tano. Est-ce que vous lisez la Bible? Nous allons consulter la Bible. Est-ce que vous avez confiance à la Bible? Et tu m'as tourné la Bible. La Bible vous dit ceci. Dieu n'a jamais vu. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, lakini yule atakayetupa macho katika sheria kamilifu, la loi de la liberté, sheria ya uhuru, qui aura persévéré, yule atakaye kabisa kukankamana, n'est pas simplement être un auditeur oublié, asikoti mtu wa kusikiliza tu na kusahau. Est-ce que vous êtes un auditeur oublié? Et tu comme toi kusikiza tu na kusahau. Tu ne peux pas être un auditeur oublié. Awas quand tu mtu kusikiliza tu na kusahauliwa. Mais se mettant à l'œuvre. Lakini mukuingia mukazi. Celui-là sera heureux dans son activité. Yule mtu yule atakuwa mwenye heri katika kazi yake. La loi de la liberté. Ile sheria ya kuwashauri. Quand vous écoutez la parole. Ukisikiliza neno. Mettez ça en pratique. Oui, tumikishe. Même Jésus avait dit. Hata Yesu alisema. Heureux l'homme qui écoute la parole. Heri yule mtu anasikiliza neno. Et mettez ça en pratique. Anaishi. Celui-là sera heureux. Yule mtu atakuwa mwenye heri. De Corinthiens. Wa Korinto wa pili. De Corinthiens. Wa Korinto wa pili. Chapitre 3. Kifungo yake ya sura ya 3. Ayez donc cette espérance. Mukwe basi na ile tumaini. Nous unissons dans une grande liberté. Tukiungana katika uhuru kubwa. Quand nous sommes réunis, wakati tunaungana hapa, nous devons trouver cette loi de la liberté. Tunapaswa kupata ile sheria ya kuwa kwa huru. 17. Oh, le Seigneur. Japo Bwana, c'est l'esprit. Ni roho. Là où se trouve l'esprit du Seigneur, pale kwenye roho ya Bwana iko. Là
est la liberté. Pale kuko uhuru. Si dans ton cœur le Seigneur est là, kama muro yako bana iko mule ndani, il y a la liberté. Muko uhuru. La liberté d'atu. Uhuru mubiote. Tu peux dire amen. Sema amina. Là où se trouve le Seigneur, pale kwenye bana iko, il y a quoi? Muko nini? La liberté. Uhuru. La preuve de sa résurrection. Ile ma, ile maubiri, akikisha tofufuko wake. Est-ce que vous y êtes? Eti muko hapa. Frère Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Paragraph 37. Makumi tatu na saba. Na saba. Hmm. Ah. Dieu a envoyé son évangile. Dieu a envoyé son fils prêcher l'évangile. Mungu alituma mwana wake ahubiri injili. L'évangile, kweli, injili. C'est la bonne nouvelle. Injili ni habari njema. Oh, la bonne nouvelle, japo habari njema, doit être annoncée aux captifs pour avoir la liberté. Inapaswa kutangazwa kwa watu waliofungwa kusudi wapate uhuru. L'évangile c'est pour les captifs pour être libre. Injili ni watu waliofungwa kusudi wakuwe huru. Je ne crois pas que l'évangile est là. Siamini kama injili itakuwa pale. Et que vous n'êtes pas libre. Pia ukose kuwa huru. Il dit ceci. Anasema hivi. L'évangile. C'est la bonne nouvelle dans Esaïe 61. Ni habari njema katika Isaya 61. Pour. Juu. Excusez. Esaïe 61. Isaïe 61. Pour qui note les Écritures, Dieu a dit, en parlant Esaïe plutôt, concernant la venue de Christ. Nous avons dit Isaïe kuhusu ile ujio wa Kristo. Et il a dit, akasema, Dieu m'a ouin. Mungu alinipaka pour prêcher l'évangile, kuhubiri injili, pour apporter la bonne nouvelle, kusudi kuleta habari njema, pour libérer les captifs, kusudi niache uhuru waliofungwa, pour ouvrir les portes de prison, kusudi nifungue milango za gereza, et laisser les captifs s'en aller en liberté. Na kuacha wafungwa waende muhuru. Laisser les captifs. Kuacha wafungwa s'en aller waende en liberté. Katika uhuru. Il faut dire que je suis libre. Sema niko huru. Je suis libre. Niko huru. Laisser les captifs. Kuacha wakufungwa s'en aller waende lwapo en liberté. Katika uhuru. Les frères descendaient ici. Si vous avez trouvé là, on peut lire avec les tout frères. Tout ça me facilement. Il y a la preuve de sa résurrection. A qui chose a ou wake. Paragraphe 38. Qui fungo ma kumi tatu na nane. C'est sorti. Je crois que je vais m'atteler, je vais rester ici avec vous. Eh bien, Vizuri, pour y arriver, j'ai kufiki hapo, afin que les petits enfants puissent comprendre. Watoto wadogo waelewe. Quand Christ est venu, wakati Kristo alikuja, disons par exemple, aujourd'hui, tusema kwa mfano leo, chacun de vous était condamné à mort. Kila mmoja wetu alihukumiwa kukifo. Vous étiez dans une prison. Ulikuwa katika gereza. Sachez qu'au lever du soleil, kujua kama kwa kuamka kwa jua, vous devez mourir. Munapasha kufa. 39. Beaucoup qui sont dans les beaucoup qui sont des pécheurs, wengi wako watenda zambi, qui sont éloignés de Dieu, wenye wako mbali na Mungu, sont dans les lieux là ce matin. Wako mwaile fasi asubuhi ya leo. Beaucoup de gens, watu wengi. Alléluia. Amen. Beaucoup de wengi. Plusieurs d'entre vous, wengi katikati yenu. Qui sont assis ici. Hapa. Vous avez le cancer. Muko na kansa. Vous avez le timer. Muko na ile kivimba. Ce sont des lois de Satan. Ile ni mashiria ya shetani. Agit dans les êtres humains. Iko na tena katika watu. Vous avez parfois des appendicites. Muko na appendicite. D'autres sont dans des sortes de conditions. Wengi na kama hali zingine na ndovu. Mais lakini hata hivyo. Dieu a envoyé Christ. Mungu alimtuma Kristo. Pour ouvrir les portes de prison.
kusudi afungue milango za gereza. Nasikiliza mimi hapo. Dieu a envoyé Christ. Mungu alituma Kristo. Pour ouvrir les portes milango de prison. Ya gereza. Hallelujah. Amen. Pour libérer Dieu kwa wacha huru. Vous dites, munasema, est-ce que la maladie est une servitude? Eti magonjwa ni utumwa. Pronome dit, Pronome anasema, ndio. Est-ce que la maladie eti magonjwa est une servitude? Nayo ni utumwa. Pronome dit, Pronome anasema, ndio. Est-ce que la pauvreté eti umasikini est une servitude? Nayo ni utumwa. Pronome dit, Pronome anasema, ndio. 41. Makumi na moja. Jésus est clairement montré. Yes, quand il a parlé à la femme qui était courbée, il a guéri. Elle lui a posé les mains. Elle s'est relevée. Et les gens, les médecins, waganga, se sont mis à critiquer. Il l'a fait. Il dit, cette fille, binti, c'est la fille d'Abraham. Binti wa Ibrahim. La guérison, uponyaji, c'est pour les filles d'Abraham. Ni ujua wa binti wa Ibrahim. La bénédiction, ubaraka, c'est pour les filles d'Abraham. Ni ujua wa binti wa Ibrahim. L'élévation, kuinuliwa, c'est pour les filles ni d'Abraham. Wa binti wa Ibrahim. L'honneur, uheri, c'est pour les filles ni d'Abraham. Ni ujua wa binti wa Ibrahim. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est tout ça, il est pour les filles d'Abraham. Et la Bible Ibrahim dit, la semence d'Abraham Begu ya Ibrahimu possédera ama itachi, la porte ikamiliki milango de leurs ennemis. Ya wadui zapo. Oh, la porte que nous possédons aujourd'hui, ah, milango tunakushimiliki leo, c'est la pauvreté. Ni umasikini. Notre Dieu n'est pas pauvre. Mungu wetu ni masikini, sikiliza. Dieu est pauvre. Mungu, ndugu, Mungu ni maskini. L'or que vous cherchez ici. Mungu anatafuta hapa. Qui a créé ça? Nani waliumba hiyo? Et quand vous recevez l'or, wakati unatafuta zahabu, ça vous donne quoi? Inakupatia nini? L'or est traduit en argent. Zahabu inabadilishwa mpesa. Est-ce que Dieu refuse l'argent? Et Mungu anakataa pesa. Quand Jésus est né, wakati Yesu alisema, les trois mages wale wa wajusi watatu sont sortis pour venir adorer. Wakati Yesu alizaliwa wajusi watatu walitoka kuabudu kwa Mungu. Et l'importance d'adoration. Na walijua lazima mabudu. Adore mes brethren, mon frère. Hawezi kuja kuabudu mikono wazi ndugu. Si je dis la vérité, il faut dire amen. Kama nasema kweli sema amina. Je veux que cet esprit là te quitte. Ile roho inapenda kikutoke. Que les autres font des choses pour toi. Bila bitu hiko byako. Vous devez être portant cette église. Qui doit être important. On a pas ça contre la zima. Si on doit coter les gens de fellowship, quand on doit ça bien entre fellowship, toi aussi tu seras coté. Puis il y a quoi en dedans, il y a wale watu wa zima. Si on veut coter les patrons de cette église, tu sais pas tu lettre watu wale. On va aussi te considérer. Na wewe pia kuangalia. Si on peut avoir des bonnes femmes dans cette église, on va avoir wa zuri wa kanisa. Toi aussi on va citer ton nom. Pia taji na yako. Parce que tu es la fille d'Abraham. Uko pinzo wa Ibrahim. Est-ce que c'est la vérité? Et ni kweli hiyo? Et la Bible déclare ils étaient des païens. Na Biblia nasema kama walikuwa pagani. Mais la Bible n'a pas donné les trois noms des mages. Lakini Biblia ikupana ile majina tatu wa majusi. Mais Branham a donné les trois noms. Lakini Branham alitoa ile majina. C'était Jimmy. Ilikuwa c'était George. George. Et Charles. Na Charles. Les trois mages. Wale majusi watatu. Lisez la vie éternelle comment la recevoir. Kusoma kadile katika maombi uta pana donner la paragraphe. Na kupatia na hata na andiko. Celui qui avait amené, yule aliyeleta, l'autre a dit, Dieu aura toujours besoin de l'argent. Mungu atakuwa tu lazima ya pesa. Il a donné l'argent. Akaleta pesa. L'autre a dit, mwingine akasema, je sais, na yua, l'or, zahabu, c'est la divinité. Yu Mungu, je dois aussi présenter. Naleta zahabu. L'autre a dit, mwingine akasema, comme c'est un sacrificateur, vile ni mutu, je vais donner le sens. Vile basa yeye ni kuwani, parce que c'est la mort. Kwa ni kifo. Mais toi tu viens adorer sans comprendre l'ordre d'adoration. Bila kuelewa mandamano ya mabudu. Est-ce que je dis la vérité? Et nasema kweli. Est-ce que je dis la vérité? Et nasema kweli. Ne laissez pas les autres faire des choses pour toi. Sikilisa. Usiache watu wengine wafanye kitu kwa ajili yako. Soyez maître à soi. Kwa kwanza mkubwa wewe mwenyewe. Ne dépendez pas des gens. Usifatane na gens. Dépendez de votre créateur. Fatana njo na mumba
Dieu connaît le but auquel il t'a envoyé sur la terre. Dieu connaît le motif de votre existence ici. Est-ce que je dis la vérité? Il connaît le but de votre existence. Recevez la loi de la liberté. Cette loi va libérer. Cette fille, c'était la fille d'Abraham. Ne fallait-il pas la délivrer, la libérer de cette servitude de Satan où se trouvait? Descendez, frère. Ainsi, Christ, notre grand rédempteur, est venu nous libérer. Les hommes et les femmes. Les hommes wanaume, et les femmes, na wanamuke, Jésus est venu alikuja, pour libérer. Kuwa komboa. Libérer du péché, kwa koma katika zambi, de la maladie, na magonjwa, quand il est mort au calvaire, na kata likufa kalvari, il était blessé pour nos péchés. Aliulumizwa juu zambi zetu. Par ce maîtrisi, pitia vidonda vyake, nous avons été guéris. Tumepona. Descendez. Chuka. Eh bien, vizuri. Voilà la bonne nouvelle. Voilà l'évangile. On a injili. L'évangile. Injili. C'est que Christ est mort. Ni Christ alikufa. À la place d'un péché. Fasi ya mtenda zambi. À la place d'un péché. Fasi ya mtenda zambi. Christ a pris la place de la maladie. Christ alibeba fasi ya magonjwa. Mais pourquoi ta maladie persiste? Sasa, kwa nini magonjwa yako inakawa? L'homme qui devait avoir cette maladie là, c'était Jésus. Ule mtu angepasa kugonjwa magonjwa yako, ile ni Yesu. Par ce maîtrisi, kupitia vidonda vyake, Bwana midi, moi je dois répéter. Na pesa kurudulia. Il dit chacun doit dire ça. Par ce maîtrisi, kila mtu anapaswa kusema kupitia vidonda vyake. Par ce maîtrisi, l'appendicite doit quitter ce matin. Par ce maîtrisi, répétez. Par ce maîtrisi, j'étais guéri. Par ce maîtrisi, j'ai été pardonné. Par ce maîtrisi, et Jésus a crié à la croix, tout est accompli. Et ça va s'accomplir ce matin. Ça va s'accomplir ce matin. Tout est accompli. Ça va s'accomplir ce matin. Frère Bana midi. Il y avait les captifs. Mais on avait donné l'ordre. Pendant que vous serez libre, la seule chose, il faut escalader la montagne. Quand vous arrivez à la fin de la montagne, et que vous voyez le soleil, vous devez crier. Unapasha kulalamika. Nous sommes libres. Tumefunguliwa huru, tumeachwa huru. Frère Bana midi. Frère Bana sema hivi. Il y avait le groupe de jeunes. Kulikuwa kikundi cha vijana. Ce sont des jeunes qui ont vu le soleil avant les vieux. Ni vijana ndio waliona jua mbele ya wazee. Fellowship. Je dois vous parler dans quelle langue? Je ne connais pas le Swahili. Je ne connais pas Swahili. Mais si qui Swahili, ni se bataba si mule qui Swahili. Si je connaissais, je devais vous parler. Ninge jomu qui Swahili, wa meta mu qui Swahili jomu sikie bas. Il dit il y a eu trois groupes. Alors nous voyons qui vikundi tatu. Les groupes de jeunes. Qui kundi ka vijana. Les groupes de vieux les estropiés. Kuna qui kundi ka wazewa yo wa vilema. Il a subi ça en trois. Les jeunes étaient là au sommet. Quand ils sont arrivés là au sommet, ils regardent les vieux là. Mais les vieux viennent toujours en retard. Les jeunes rachetaient à crier. Voilà le soleil de la justice.
Voir le soleil, c'est-à-dire voir la venue du Seigneur. Nikuona ujio wa Bwana. Jésus est le soleil de la justice. Yesu ni jua la haki. Mais, lakini, les vieux sont en retard. Les autres sont dans la vallée. Bradama sa wengine wako pale mbonde. Ils commencent à escalader la montagne. Wako wanapenda kupanda mlima. Totalement fatigué. Walisha choka lwabo. Ah frère. Eh ndugu. Le troisième pile. Uvuto wa tatu. Ce n'est pas le message de tout le monde. Aina uchumbe watu wote. Le troisième pile. Uvuto wa tatu. Ce n'est pas pour tout le monde. Aina ya watu wote. Est-ce que je peux prononcer? Et tu kusema neno. Le troisième pile. Uvuto wa tatu. C'est prononcer la parole. Nikusema neno. Les choses seront changées. Watu watabadilika. William Branham. Branham. Il avait besoin de ses kirés. Alikuwa na lazima ya mashine. Mais toi ce matin, tu n'as pas besoin de les kirés. Hauna lazima ya kirés. Toi ce matin, asubuhi leo wewe. Tu n'as pas besoin de les kirés. Hauna lazima ya ushindi. Je vais attendre quelqu'un dire amen. Na bado sema amina. Tu n'as pas besoin de les kirés. Hauna lazima kishindi hapa bwana. Branham avait besoin de les kirés. Branham alikuwa na lazima ushindi. Mais toi tu n'as pas besoin de les kirés. Lakini wewe una lazima ushindi hapa. Remplacer le problème que tu as. Basi badilisha ile shida uko nayo pale kwa shida. Et prononce la parole. Tamka neno. Est-ce que tu as vu le soleil? Et tu l'as vu? Mais quand tu vois le soleil, tu dois crier. Na ukiona jua unapasha kulalamika. Quand tu vois le soleil, tu dois crier. Quand tu vois jua unapasha makelele. Tu dois dire gloire. Wakati ufutukufu. J'ai vu le soleil. Unajua jua. J'ai vu le soleil. Niliona jua. Je vais m'en aller. Sasa ndaenda. Je vais m'en aller. Ndaenda lwangu. Sa présence est au milieu de nous. Je crois que Jésus est là. Naona Yesu yuko hapa. Vous allez mettre ça après. Mettez Esaïe 53. Isaiah 73. On va lire avec les frères ensemble. Tutasoma na wandugu fasi moja. Esaïe 53. Isaiah 73. Esaïe parle nous. Isaiah ongea na sisi Bwana. Esaïe 53. Isaiah 53. Est-ce que vous avez cru de ce qui nous a été annoncé? Eti, muliamini kwa ile waliotangazia. Est-ce que vous avez cru à ça? Eti muliamini kwa hiyo. Et tout ce qui nous a été annoncé. Ile yote waliwatangazia. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ni nani aliyetambua mkono wa milele? Alléluia. Amen. Nous savons que le bras de l'Éternel c'est une personne. Tunaiyo mkono wa Bwana ni mtu. Dieu avait libéré les enfants d'Israël par la main puissante. Mungu alikomboa Israeli kupitia mkono wenye nguvu. Oh, la main puissante de Dieu c'est une personne. Japo mkono wa nguvu wa Mungu ni mtu. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Akainuka kama vile rejetant que sort d'une terre desséchée. Kama vile chupukiza kutoka katika udongo uliokauka. Jésus n'avait pas ni beauté. Hakukuwa hata urembo moja. Ni éclat. Ama kitu cha kung'ara. Pour attirer nos regards. Tu ya kuvuta uangalifu wetu. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Na hali yake ilikuwa na kitu kutupendeza. Il était mauvais. Alikuwa mbaya. À cause de toi. Tu yako. Afin que tu aies la beauté. Kusudukwa murembo. Méprisé. Kusarauliwa. Abandonné. Na kuachiliwa na watu. Homme habitué de douleur. Homme de douleur. Mutu wanye maumivu. Habitué de quoi? Amezoea nini? Celui qui était habitué avec la souffrance, c'est Jésus. Yule mtu aliyozoea mateso Bwana ni Yesu. Toi qui ne peux pas, la souffrance ne peut pas être habituelle. Wewe hawezi kuteswa jua utabizoea. Est-ce que tu peux dire amen? Sema amina. La souffrance Mateso ne peut pas être habituelle. La seule personne ule mtu mmoja tu qui était habituée à la souffrance aliyezoea mateso c'est Jésus. Ni Yesu. L'homme habitué à la souffrance mtu aliyezoea mateso semblable à celui dont on détourne le visage. Anafanana na yule mtu anamgeuzia uso. Nous l'avons dédaigné. Tulimdharau. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Atikufanya hata kitu kimoja kizuri. Cependant, halakini, ce sont nos souffrances. Ni mateso yetu. Qu'il a apporté. Il est allé chukua. Tu ne peux pas souffrir, mon frère. Hawezi kuteswa ndugu yangu. C'est Jésus qui avait apporté cette souffrance. Ni Yesu ndio alibeba ile mateso yako. Est-ce que tu peux dire amen? Sema amina. Est-ce que tu peux dire alléluia? Sema amina.
La souffrance, Mateso, c'est Jésus qui avait apporté. Yes, nous allons lui tocoua. Apporter nos souffrances. C'est nos souffrances qu'il a apportées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Ma tupatia, amani. Il faut recevoir la paix. Le châtiment qui nous donne la paix. Ma tupatia, amani. Est tombé sur lui. Il y a un juu yake. C'est par ses maîtres ici. Si tu sais que tu étais guéri, tu dois dire amen. C'est par ses maîtres ici. Nous étions. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Ce jour-là sur le calvaire, c'était ma guérison. Ce jour-là sur le calvaire, c'était ma liberté. Ce jour-là sur le calvaire, la porte est ouverte. Écoutez maintenant. Nous étions tous errants. Si vous êtes tous les potéa. Comme des brebis. Kuangai kama vile makondo. Chacun doit suivre sa propre voie. Na kila mutu alikuwa akifuata njia yake. L'Éternel a fait retomber sur lui. Na wamilele kamkisha juu yake. L'iniquité de nous tous. Maovu yetu sisi wote. Alors si tu viens à fellowship, sasa, ukikuja mu fellowship, tu te sens que tu es coupable, na unajisikia kama uko mwenye unahukumiwa, usikuyake tena. Ne venez même pas adorer. Usikie tena kuabudu. Parce que celui qui vient adorer, il doit être sans péché. Yule anakia kuabudu apasha kuwa bila dhambi. Tu n'as pas saisi? Akusikia. Quand tu viens adorer, ukikuja kuabudu hapa, tu dois savoir que tu es sans péché. Unapasha kujua kama hauna dhambi. Parce que tout, kwa sababu yote, était tombé sur lui. Il y a un coup juu yake. C'est-à-dire, toi tu es sans péché. Ni kusema wewe hauna dhambi. Sans maladie. Bila magonjwa. Sans pauvreté. Bila umaskini. Sans quoi que ce soit. Bila kitu chochote. Yote. Était tombé sur lui. Kwa Yesu. Il a été maltraité et méprisé. Alité soit la kuzara uliwa. Il n'a pas ouvert la bouche. Voilà que fumwa kito chake. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Alifana na mana kondo na peleka fata kuchinjiwa. Aini bebi miwete devant ceux qui l'entendent. Na ile kondo isiosema mbele wale wana kuchukua. Il n'a pas ouvert la bouche. Hakufungua kinywa chake. Allez-y. Il a été élevé. Akainuliwa. Par l'angoisse. Par teso. Et le châtiment. Na mapigo. Parmi ceux de sa génération. Qui a crié, il était retraché de la terre des vivants. Il a été frappé par Dieu par nos péchés. Il a été frappé par les péchés du peuple. Je vais attendre quelqu'un dire amen. Il a été frappé dans les péchés de William Branham. Il a été frappé par les péchés de toi. C'est-à-dire, toi, tu es sans péché. Nikusema, hauna zambi lwako. Un homme est sans péché. Mutu, bila zambi. Est-ce que vous y êtes? Eti muko hapo. Paragraphe, la même brochure là, paragraphe 44, 45. La preuve de sa résurrection. Akikisho za ufufuko wake. Frère, Dogo. L'église, c'est notre bar. Kanisa ni bare yetu ni. Je le répète. Na irudia tena. Si kama vous soulagez quelque part. Wewe uko kabisa najisikia mzuri fasi fulani. Mais moi avec la Bible. Lakini mimi na Biblia yangu. Et frère Branham. Na ndugu Branham. Nous nous réjouissons ici. Tuko na furahia hapa. Notre joie se trouve dans la parole. Furaha yetu iko ndani ya neno. Est-ce que je dis la vérité? Et tu n'as pas quoi? Notre joie se trouve dans la parole. Furahayetu iko ndani dani ya neno. Sans la parole, bila neno, moi je ne peux pas danser ailleurs. C'est ce que vous avez fait, je dois danser ici. Na pasha nyoku
cheza hapa. À l'époque des esclaves, quand ils étaient dans la servitude et qu'ils étaient esclaves, ici aux États-Unis, Abraham Lincoln mourit pour libérer les hommes de couleur. Si un homme comme Abraham Lincoln est mort pour la condition de l'homme noir, Abraham est passé dans la misère. Il a trouvé un homme noir à terre de pleurer. Il dit, pourquoi cet homme est en train de pleurer? Il dit, je regrette l'homme Abraham Lincoln. Cet homme-là, il avait plaidé pour notre cause. Parce que nous, les hommes de couleur, nous étions négligés par les blancs. Mais le seul président qui n'avait pas cette méthode de négliger notre rang et une autre race, c'était Abraham à l'école. C'est pourquoi quand je vois son vêtement attaché avec le sang, je passe Abraham à l'école. Frère Banam l'a tenu par la main. Il dit, mon frère, je veux aussi te montrer quelqu'un. Si vous regrettez Abraham à l'école, mais je vous présente quelqu'un. Son nom c'est Jésus. Lui qui était mort à la croix. Alléluia. Alléluia. Il est mort aussi pour Abraham à l'école. Il t'avait libéré. Ce jour-là sur le calvaire. L'homme regrette Abraham à l'école. Frère Abraham me dit, si on verse même le sang de Jésus, même le goutte de sang, on verse sang dans mon doigt, je vais le protéger de tel assaigne corps, même pas une goutte tombe par terre. Mais pourquoi vous ne protégez pas le message? Maintenant, me dit, n'amenez pas de saleté dans le message. Le message, c'est la liberté. Le message, c'est la paix. Le message, c'est la joie. Le message, c'est la passion. La haine doit quitter ton cœur. Un homme qui est libre ne peut pas garder la haine. Un homme qui est libre n'est pas un méchant. Un homme qui est libre, c'est la patience. La patience et la longueur du temps. Quand on a prêché la persévérance, Dieu a fixé toutes choses. La bénédiction, il a fixé le temps. Dieu connaît la saison. Dieu connaît l'année. Dieu connaît le programme. Dieu ne peut pas modifier son programme ce matin. Parce que toi tu plais. Il ne peut pas modifier. Mais tout est dans le programme de Dieu. Reconnaissez le programme de Dieu. Qui verra la main de Dieu dans votre vie? Est-ce qu'il y a une main? Si on regrette Abraham à l'école, nous regrettons Jésus. On ne peut pas aussi le regretter. Il est ici. Jésus est ici. Il n'est pas là-bas. Jésus est ici. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Eti muna amini. Frère Branham dit dans paragraphe 46. Ma commission n'a bien assez ma vie. Ils sont montés. Wakapanda. Dès que ceux qui étaient là-haut, ils ont vu cela. Wakati wale walikuwa kule yulu waliona ile. Ouais. Quand ils ont vu le soleil s'élever. Ils ont crié à Tetu. À ceux qui étaient au-dessous d'eux. En disant, nous sommes libres. Celui qui est libre doit dire Amen.
Est-ce que vous êtes libres? Et ils ont dit, nous sommes libres. Ceux qui ont compris cela, ils nous ont poussé le cri. Si vous comprenez ça, ceux qui ont compris ça, ils ont poussé le cri à l'étation des autres. Après eux, et ils ont dit, nous sommes huru. Il faut dire ça. Huru. Ah, je n'ai pas écouté. Nous sommes Tuko huru. Bon, je ne peux pas dire nous. C'est ça, si. Je. Mie. Tu dois dire. Je suis. Niko. Je suis. Niko. Je suis. Niko huru. Je suis libre. Niko huru. Pourquoi? Kwa nini? Il y a un. Kuna mtu moja. Qui a souffert. Aliyeteswa. Afin que tu aies la joie. Na. Afin que tu aies la joie. Aliyeteswa kusudi upate furaha. Je vais aller au terme. Na kumaliza. Et frère Banon midi. Na kumaliza maivi. Vous savez. Mnayua. L'adoration doit être combinée. Na mwabudu lepasha kusindikizwa. Avec le spirituel et le physique. Na bya kiroho na bya kimwili. Tu ne peux pas prendre le septième sans mettre ça dans la casserole. Quand tu dis que le septième sans soit ouvert, il faut aller voir le poisson là-bas pour mettre dans la casserole. Tu ne peux pas prendre le septième sans, je mets dans la casserole. Même la sœur ne peut pas vous obéir. Tu dois supporter ça. Vraiment, Dieu va nous bénir. Ayez la patience. Je vais t'acheter la semaine prochaine. Tu vas aller à la douche toi-même. Les politesses doivent s'installer. Avec le septième sceau là. Sans le physique. Bila kabisa yaki ya mfuko. Chaque fois que la sœur doit apprendre une nouvelle chez elle, utasikia dada. Oh, il y a un cadre d'œil là-bas. Ala chukua mwingine mmoja kule. Elle va partir sans vous annoncer. Na ataenda bila kukuambia hata. Parce qu'elle sait que vous n'avez rien. Jua na yeye uko masikini. Mais quand elle sait que vous avez quelque chose, lakini wakati anajua kama kuna kitu fulani, elle doit dépendre totalement de vous. Atakutisa. Elle sera soumise. Atakuti. Même si elle pleurait. Atakuwa alikuwa analia. Elle ne doit pas quitter. Hatatoka. Jusqu'à ce que papa George retourne. Paka papa George arudie. Lui donner l'aval d'aller. Amwambie wende. Mais quand tu n'as rien. Où est votre maman? Ça, maman? Maman est déjà partie. Maman, elle est allée où? Anana, wabi, on a appris que l'oncle est mort. Ce matin, il va vous attendre comment? Pendant qu'il sait que tu es irresponsable. Si je dis la vérité, il faut dire amen. Le respect vient quand il y a. Dada, tu as dit que tu pecunia. Quand il voit les autres circuler, vous venez avec des taxis, vous traversez très tôt des taxis. Il y aura des absences à l'église. Parce que l'argent de payer des taxis, il n'y a pas. Tu penses à kulipa taxi hakuna. Le respect vient de tout. C'est pourquoi l'unique Jésus devait souffrir. Afin que toi tu ne puisses pas avoir des souffrances. Si je dis la vérité, toute parole que vous allez dire, cela doit devenir une vie. Est-ce que c'est la vérité? Mon frère, c'est la vérité? Je ne dis pas que les sœurs désobéissent en vous. Mais il y a certaines réalités. Moi je parle comme un pasteur. Il y a une sœur qui a même l'envie de dire amen. Mais quand elle passe à la maison, elle regarde à côté d'elle
comment les amis sont. Anangala pembele ke wengine wako je. Même si le pasteur la prêche, moi je ne regarde même pas ça. Ataka mchunga na bi mesta. Pourquoi? Kwa nini basi? Elle passe autre chose. Anawaza bitu bingine. L'homme doit être tranquille dans son esprit. Mutu anapasha kuwa anapasha kukobe katika roho yake. Le retour ne fait pas. Ça veut dire? Est-ce que je peux dire ça? Je vais atterrir dans la douceur. Je vais atterrir dans la douceur. Dieu ne vous libère pas en moitié. C'est une délivrance. Dieu n'avait pas dit. Alors, ce matin, on veut tuer quelques Égyptiens. Est-ce qu'on peut le tuer? Vous êtes prêts? On peut le tuer? Moïse a dit, ces Égyptiens que vous les voyez, vous ne les verrez. Le problème que vous voyez là, ça va passer. Ça sera exterminé. Dire que je serai à haut. Je serai à haut. Je serai à haut. Ces Égyptiens de la mondanité seront engloutis. Je déclare, la pauvreté sera, le célibat sera. Si tu as besoin du mariage, il faut dire que ça sera englouti. Bon, s'il y a une sœur qui veut que nous puissions prier pour lui, pour ne pas se marier dans la vie. Tu ne veux pas se marier dans la vie. Tu vas mourir comme ça. Soulevez la main. Je prie pour toi. Les sœurs n'ont pas compris. J'ai posé la question. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. J'avais posé la question. Est-ce qu'il y a une sœur? Lui veut mourir sans être en mariage. Anapenda akufe akuolewa. C'est pourquoi j'avais posé la question. Si elle est là, kama iko hapa, il doit soulever la main. Ainua mkono wake tumuone. On doit prier pour elle. Tumuombea siolewake. Elle va mourir mpaka atakufa sans se marier. Bila kuolewa. Est-ce que celle là est là? Eti ule dada iko hapa. Je crois que tout le monde accepte, n'est-ce pas? C'est la loi de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? L'homme a été, la femme a été créée pour l'homme. On ne peut pas dire la parole, ce que la parole n'a pas dit. Le seul célibataire, Dada célibataire, c'est Jésus. Ni Jésus. Mais la seconde venue, il a refusé d'être célibat. Alikatala kuwa célibataire. Dans l'arche de Noé, katika sanduku ya aucun animal célibataire était tenté. Katika ile Noé, hakuna hata célibat moya alinyia ndani. Notre Dieu n'est pas célibataire. C'est la Mungu hakuwa célibataire. Est-ce que tu peux imaginer? Et tunaweza kufikiria. Une personne doit venir dans votre famille. Il donne l'argent, il a besoin d'une femme, il dit que moi je ne récupère, je vous laisse tout et je pars. Et tu ne sais fikiri. Mtu mmoja anakuja mjama yako, analeta pesa ya mwanamke kisha anabachia anasema mimi naenda. À la première venue, mujiaka wa kwanza, Jésus a donné la dot. Yesu alipa na mali. À la seconde venue, mujiwa wa pili, il vient réclamer. Anakuja kuomba bibi yake. Au moins que le frère n'est pas normal. Paka tuko ndugu asikwe tu sawa. Au moins que le frère il est impuissant. Kama tu ndugu hana nguvu. Et il commence à faire des raisons. Tu as nanga tafuta ma chérie. Toi tu as versé l'argent. Tu auras besoin de ta femme. Utakuwa na lazima ya mke wako. Tu dois aussi attendre la cérémonie du mariage. C'est pourquoi le retour de la nuée. C'est la cérémonie du mariage. Il est oui, le mwanamke devait bénir le mariage. C'est lui notre liaison. Yeye ndio liaison wetu.
anakuya. Il réclame ce qu'il a doté. Analomba kila alipatia mali. L'épouse qu'il a choisi est une femme chagua. Une bonne femme. Madame Kebzuri. En Eden. Edeni. En Eden. Edeni. Adam. Adamu. Avec caché Eve. Alimficha awa. Mais au temps de la fin, kirokati wa mwisho, c'est Eve ni awa qui cache Adam. Voilà mon fils Adam. Est-ce que tu ne peux pas me dire amen? Est-ce que tu ne peux pas dire amen? Sema amina jamani. Nous sommes dans la barre. Tuko kubare etu. Au revoir Adam, seul. L'histoire se répète. Abari adisi narudiliwa. Sila kama kule. Adam cache Eve. Adam alimficha Eva. Au temps de la fin, wakati wa mwisho, c'est la femme qui cache son époux. Ni mwanamke ndio anaficha mke wake, mume wake. Mais où est Adam? Sasa Adam yuko wapi? Mule ndani. Eve dira, Eva tasema, il est ici. Iko hapa. Les autres regardent. Mais nous voyons l'homme américain. Si tu donnes un mzungu qui américain kule. Mais il n'est pas américain. Il est comme américain. C'est un frère sauvé par la grâce. Ndugu alokolewa kupitia Mais Dieu lui a donné double portion. Lakini Mungu alimpatia maradufu nguvu. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Rappelle ce qui est mutu anasema amina. Dieu lui a donné quoi? Mpatia nini? Double portion. Ufu mara pili. C'est pourquoi personne ne peut se galer de William Branham. Un homme, Mutu, les souliers, Biato, guéri. Est-ce que vous comprenez? Jésus, yes. L'homme à la perte de sang, Mutu, pendant 12 ans, elle dit, anasema, je n'aurai pas le temps de toucher le corps physique. Mais sinon, lazima kugusa mwili wake. Mais je vais m'adresser à son habit. Lakini mimi nasema na nguo yake njoo. Je touche simplement le vêtement. Niguse tu nguo yake tu. La femme a touché le vêtement. Mwanamke aligusa nguo. Jésus s'est fatigué d'une seule vision. Akachoka na ono moja. Mais arrivé au temps de la fête. Lakini kufika wakati wa mwisho. Dans une seule réunion. Mkutano moja. Plusieurs visions. Maono mingi. L'homme ne se fatigue pas. Mtu achoke. Les souliers guéris, la veste guérit, la chaise guérit, tout ce qui est de Branham est la même chose pour entre chez vous ce matin. Parce que le Dieu de Branham est ici. Ne limitez pas